Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas Chronique de Net TV. Je suis encore dans une énième vidéo pour vous démontrer, pour vous donner toujours des goûts de vivre au Canada. Mais la vidéo ici, elle est spécialement pour les surprises auxquelles vous ne vous attendez pas dès que vous arrivez au Canada. Je vais vous les citer avec un peu de détails, mais en tout cas, restez scotchés jusqu'à la fin pour comprendre l'essence de la vidéo ici. Je vais vous parler de la nourriture. Par exemple, de l'amour, du climat, de l'argent, les études, comment les systèmes scolaires fonctionnent ici, des maisons, les coûts de la vie, toutes ces choses-là, ce sont des choses auxquelles on ne s'attend pas souvent dès qu'on arrive ici. Quand on est chez nous en Afrique, souvent on se prépare à propos de ce qu'on voit à la télévision. On se prépare en fonction des images qu'on voit à la télévision. Mais en réalité, nous qui sommes ici, nous qui sommes venus avant vous, nous sommes ici pour vous alerter, pour vous dire les réalités de ce qu'on vit, les vraies réalités qu'on vit ici par rapport à ce qu'on voit à la télévision. Par exemple, quand on parle de nous qui sommes venus de l'Afrique où on a le climat tropical, on espère toujours manger des aliments du climat tropical. Toujours des pondous, des bitekoutekou, des manioc, des patates. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on est habitué à de telles choses. Mais quand on arrive ici, attendez-vous à des surprises quand il s'agit de nourriture. Il y a beaucoup de surprises. On peut avoir la même nourriture. Par exemple, il y a aussi des pondous ici. Si vous allez dans des boutiques, dans des magasins des Africains, vous allez trouver des nourritures tropicales. Aussi des magasins, des Asiatiques, puisqu'eux aussi ont le climat tropical, alors on partage presque même chose de nourriture. La même qualité, la même façon de nourriture qu'on mange en Afrique, c'est la même nourriture que les Asiatiques aussi mangent. Mais la façon dont on prépare les nourritures ici, si vous allez par exemple dans des restaurants chinois ou des restaurants partout ici au Canada, il y a des viandes où on met du sel. La cuisine où on met du miel dans la viande, du sucre dans la viande. Alors préparez-vous à de telles choses. Dès que vous arrivez ici, il y a la viande où on met du sel, il y a des cuisines où on met du sucre. Il y a beaucoup de choses d'aliments qu'il faut que les restaurants fonctionnent ici. Vous êtes obligé à manger aussi des pastèques, vous êtes obligé à changer votre système de manger, votre système alimentaire, vous êtes obligé de les changer puisque la façon dont on mange en Afrique, ce n'est pas la façon dont on mange ici. Tout ce sont des nourritures, mais la façon de cuisiner, ça diffère. Si tu viens ici, espérer que tu vas commencer à manger la même chose que tu mangeais, la même nourriture que tu mangeais en Afrique, tu risques de vivre et de mener une vie tellement chère, puisque les nourritures tropicales, ce sont des nourritures importées. Les nourritures importées, souvent, ça coûte tellement cher par rapport aux nourritures locaux. Par exemple, une mangue, les mangues de l'Australie, ça coûte 10 dollars. Une mangue, c'est 10 dollars. Les mangues qui viennent du Mexique, une mangue, c'est 3 dollars. Mais les mangues, vous comprenez déjà ce que je vais dire. Les choses qui viennent de l'extérieur, ça coûte 3 fois plus cher que les choses qu'on cultive ici. Quand il s'agit de l'amour, par exemple, l'amour ici, par façon dont ici on aime et la façon dont on aime en Afrique, selon moi, c'est totalement différent. C'est la nuit et les jours. Chez nous, en Afrique, on drague d'abord une femme avant de la connaître. On la drague et puis on la connaît après. Mais ici, on connaît d'abord la femme et puis on la drague après. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, donc, pour voir les dessus d'une femme, on le voit avant de l'aimer. Si vous êtes satisfait avec la femme, c'est à ce moment-là que souvent les gens ont tendance à entrer dans des relations qui sont un peu sérieuses. Pendant qu'en Afrique, vous draguez d'abord, et puis vous faites une relation sérieuse et puis vous connaissez la fille. Ce sont des choses qui sont vraiment compliquées. Dès que vous arrivez ici, ce sont des chocs. Ici, c'est les femmes qui draguent souvent. En général, les femmes te draguent. Ils viennent vraiment, ils disent qu'ils t'aiment, ils se fendent de toi. Donc, si tu es nouveau, une blanche vient, commence à te dire qu'ils t'aiment. Tu ne sais même pas comment tu vas répliquer, puisque si tu es dans un pays anglophone, elle parle en anglais. Il y a des fois que tu es obligé d'accepter pour,
pour raccourcir la conversation. Pendant que tu raccourcis, tu ne l'as pas encore connu, tu ne l'as pas encore connu là que je peux dire la connaître, connaître qui est-elle, elle vient d'où, elle comment est sa vie, comment elle mène sa vie. Souvent vous allez vous une deux jours vous allez directement la connaître et puis vous allez apprendre à la connaître sa vraie vie après avoir passé dans des actes. Souvent, c'est comme ça. Ça, c'est ce que moi, j'ai vécu. Il y a d'autres aussi qui ont vécu peut-être cette situation différemment que moi, mais en général, c'est comme ça. C'est la réalité, ce que je vous dis, des réalités sont là. L'amour qui est en Afrique, souvent, on drague et puis on connaît. Ici en Occident, on connaît d'abord et puis on drague. C'est ça la réalité. C'est pour cela que vous allez voir les femmes africaines souvent, elles se butent dans des difficultés puisqu'elles ne sont pas habituées à d'abord passer à l'action avant d'aimer. Elles sont habituées, on doit les aimer, on doit les cajoter, on doit les amener ici par là des cadeaux pour qu'elles puissent tomber amoureuses de toi. Mais ici, c'est différent. On doit d'abord passer à l'acte. Je n'ai pas dit que c'est toutes les femmes, c'est comme ça. Mais la majorité des femmes qu'on voit souvent ici en Occident, on commence d'abord avec l'acte. Souvent, les gens disent, si tu n'es pas beau dans l'acte, comment on peut être en relation avec toi? Puisque tu peux permettre, laisser la personne avec qui tu es entrer dans des tricheries, dans des débauches, puisque tu ne la satisfais pas. Chacun a une façon de voir les choses. Mais ici, c'est presque la façon dont je vous ai dit, ça se fait presque comme ça. Mais quand il s'agit du climat, comme je vous ai toujours dit, le climat ici, ça va jusqu'à moins 40. Ce qu'on voit à la télé, tu vois un peu de la neige. Ça, c'est ça. Après la couleur que la télévision vous donne, ça donne l'impression que ce sont des bonnes choses. Mais en réalité, les gens souffrent. Tu peux avoir des pneumonies même, puisque ça fait moins 40, moins 30. Mais quand même, on est dedans, puisque tu n'as pas le choix. Dès que tu arrives ici, tu es obligé à s'adapter. Tu dois savoir que tu ne vis plus dans un climat équatorial. Tu ne vis plus dans un climat tropical. Tu vis dans un climat où il fait froid. Je ne sais pas comment on appelle le climat d'ici. Il fait tellement froid que moi-même, je ne comprends même pas on est dans quel climat. Mais il fait tellement... Quand c'est de l'hiver, dans d'autres provinces, il fait moins 40. Si vous allez... Le plus vous allez au nord, ça fait plus froid. Il y a là où ça fait même moins 60. Au nord, plus au nord, là, ça fait près du pôle, ça fait moins 40. Plus vous allez au sud, plus le climat devient un peu chaud. C'est ça. Alors, la seule province où le climat est vraiment tempéré, est vraiment agréable, ce n'est pas aucune province. Il y a seulement des villes, des situations, des plaies, et il y en a seulement deux au Canada. C'est seulement à Vancouver et à Victoria. Toutes les deux villes-là se trouvent dans la province de la Colombie-Britannique. La capitale de la Colombie-Britannique, c'est Victoria. Beaucoup déjà parce que c'est Vancouver, mais c'est Victoria. Bien que Vancouver, c'est une grande ville métropolitaine, mais la capitale est toujours Victoria quand même. Bien que c'est une île, mais c'est comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi la capitale est là, mais c'est ça. La capitale, c'est Victoria. Vancouver, c'est une métropole, une grande ville, mais ce n'est pas la capitale. Donc à Vancouver, il fait quand on est quand il y a vraiment du froid, c'est moins 20, moins 18. Ça, c'est par hasard. Et puis le froid propre, ça ne peut même pas faire une semaine et puis on retourne vers 6 degrés, 8, toujours comme ça. Même notre hiver, on a toujours de moins 6, moins 8, moins 4, 0 degré, 1 degré, de telles choses. Notre hiver est vraiment gentil envers nous et les gens qui sont à Victoria. Mais en Colombie-Britannique, dès que vous vous déplacez de Vancouver ou de Victoria, partout là, c'est moins 40, moins 30, moins 20. C'est moins. À part la ville de Vancouver et Victoria, tout le Canada est le même. Mais les gens qui sont à l'est, au nord, là-bas, vers Québec, à l'est, vers Montréal, là, il fait tellement... Il fait froid, mes chers. Il fait froid. Il fait froid. Il faut vous attendre à ça. Il ne faut pas venir avec avec une chemise... Au mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, ne venez pas seulement avec votre chemise. Il faut porter des jaquettes, il faut avoir des tricots.
Soit dès que vous arrivez ici, vous êtes contraint à vous acheter les habits qui sont vraiment favorables au climat du moment où vous arrivez. Sinon, vous allez chier. C'est ça la réalité. Quand on parle de la monnaie ici, vraiment, l'argent, il y a les gens qui disent que ici au Canada, ici en Occident, il n'y a pas l'argent. Moi, je dis qu'il y a toujours l'argent. Dans chaque province où vous allez, il y a l'argent. C'est à vous de savoir comment gérer l'argent. Par exemple, tu viens juste d'arriver au Canada, mais tu veux vivre au centre-ville de la au centre-ville. Tu t'attends à quoi? Les maisons qui sont au centre-ville, ça coûte plus cher, même deux fois plus cher que les maisons qui sont aux alentours de la capitale. Si tu viens au Canada et que tu as un salaire moyen, je dis seulement moyen, je ne dis pas beaucoup, moyen de 2 500 $ par mois, par exemple, au centre-ville, une maison, ça à peu près 4 000. Soit si tu trouves un appartement, c'est 1 000, le moins cher au centre-ville, c'est 2 000 $. Si tu viens dans les quartiers périphériques, c'est à peu près 1 000 $. Où est-ce que tu choisis vivre? Tu as 2 500, mais tu veux vivre dans une maison de 2 000 $. Quel jour tu auras l'argent pour sauvegarder, pour épargner? Il y a de l'argent, mais souvent, ici aussi, quand quelqu'un est nouveau, tu achètes les choses en fonction de l'argent que tu as laissé en Afrique. Si tu utilisais les francs CFA, les francs congolais, tu veux acheter même un pain, soit le riz, tu veux comparer l'argent, les dollars aux francs français. Maintenant, tu vas trouver que l'argent, c'est beaucoup. Et puis, à ce moment-là, tu vas commencer à te plaindre que tu vas commencer à dire que les choses sont chères. Puisque tu veux faire l'évaluation de l'argent. Quand tu vis ici, il faut vivre comme celui qui est ici. Il faut vivre à dollars. Il faut réfléchir en dollars. Il faut penser à dollars. Quand tu vis ici, quand tu t'es décidé de vivre au Canada, en Amérique, soit en Europe, il faut travailler en fonction de l'euro. Si tu vis au Canada, à fonctionner comme les dollars. C'est comme ça. Sinon, tu vas te compliquer, tu vas te mélanger dans des choses inutiles. Le système scolaire ici au Canada, j'ai toujours dit que c'est le vrai système pour moi qui vient du pays africain. C'est un système qui est tellement bien organisé. Vous allez à l'école, vous n'avez pas de dire moi, monsieur, moi, maître. Non. Vous dites seulement, vous dites Jeff. Si le professeur, son nom c'est Jeff, vous dites seulement Jeff. Tu n'as pas besoin de dire monsieur Jeff. Tu dis seulement Jeff, je n'ai pas compris. Tu peux manger dans la salle de classe, tu manges pendant que l'enseignant est en train de faire ces choses. Si tu te fatigues à t'asseoir après 30 minutes, tu peux te mettre debout. Tu suis le cours en état debout. Et puis les écoles, surtout les écoles, je peux dire les écoles secondaires, ce sont des classes qui ne sont pas bourrées, qui ne sont pas trop bourrées. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants à l'intérieur. Il y a des salles chez nous. On dit classe A, classe B, classe C, classe D. Toutes les salles sont remplies de soixantaine d'élèves. Mais ici, c'est 20, 18, 16. 20, 18, 16. À ce moment-là, un professeur est capable de faire la suivi de ses élèves. Il est capable d'expliquer facilement et les gens sont capables de comprendre la matière. Puisque vous n'êtes pas nombreux. Si vous ne comprenez pas, vous avez la facilité de poser la question et recevoir une réponse qui est vraiment favorable sans beaucoup de bruit à côté de toi. Les écoles ici, si vous faites de physique, il y a laboratoire de physique. Si vous faites la chimie, laboratoire de chimie. Vous faites les pratiques et la théorie. Théorie, pratique. Pendant que vous finissez l'école, vous avez la notion des pratiques et les théories de ce que vous êtes en train de faire. Pas comme chez nous, vous allez faire la chimie, mais là, il n'y a pas de laboratoire. Ou même à l'école, il n'y a pas. Là, vous pouvez faire la théorie, il n'y en a pas. Mais vous faites quand même la physique. Il n'y a pas là où on peut vous montrer comment la poulie fonctionne, comment ceci fonctionne. On ne vous montre pas ça. Vous faites la technologie, mais vous n'avez pas les équipements pour vous montrer l'effet réel. Vous faites seulement des pratiques avec les éditions qui ne datent plus, qui ne sont plus update. Il y a les éditions de 1980 que chez nous en Afrique, on continue à utiliser. Pendant qu'aujourd'hui, au 21e siècle, les gens sont, chaque année, il y a les éditions. Après, un an après, il y a autre édition. Un an après, il y a autre. Les gens sont en train d'update.
les choses, mais pendant que chez nous, on est stationné, on n'évolue pas. C'est pour cela que chez nous, c'est difficile quand quelqu'un vient ici et puis c'est retrouvé facilement, parce que quand il vient, les systèmes qu'on enseigne aussi, c'est les systèmes évolués. Toi, tu veux des systèmes archaïques. Mais ici, les systèmes, on a pris le temps d'écrire sur les papiers, on a pris le temps de mémoriser les choses, les questions qu'on pose dans des examens. Il y a toujours quelque chose, A, B, C, D, tu dois choisir la question, la réponse la plus correcte. Tu n'as pas besoin de mémoriser, de réfléchir sur des choses. Il y a les choses qui sont révolues et les choses qui ont évolué. C'est ça la différence. Quand je parle de maisons ici, celui qui vient en Afrique, il sait de quoi je parle quand je parle de maisons. Bien que les maisons, en majorité, les maisons de l'Occident sont les maisons à bois, mais sont des maisons qui sont bourrées d'insulation partout. Ce sont des maisons vraiment, que je peux dire, sont des maisons de bonne qualité. Ce sont les maisons qui sont électrifiées. Il y a des heats. La chaleur, ça donne de la chaleur thermique. Donc même s'il fait, même s'il y a hiver, vous pouvez tourner la chaleur dans la maison et vous aurez toujours vous pouvez aller au 20 degrés, 18 degrés, 30 degrés, mais il est recommandé toujours de rester à 18 degrés, parce que le corps, la température du corps aussi, ça doit s'adapter à ce que vous mettez dans la maison. Électricité, si ça ne part pas, parce que tu payes, si tu ne payes pas, l'électricité va partir. Mais pour dire que l'électricité est partie, au fait de l'estage, aujourd'hui on a l'estage ici, l'électricité là-bas, ça n'existe pas. Depuis que je suis ici, il y a toujours de l'électricité. Mais quand ça part, soit il y a de la neige, des tempêtes de neige, il y a des bois qui est tombé sur quelque chose, et puis il y a panne, ce sont de telles choses qui arrivent pour qu'on puisse avoir des délestages. Et puis ça ne dure pas plus d'une journée. Si ça se faisait, les tempêtes de neige étaient la nuit, peut-être avant 12 heures le lendemain, l'électricité sera déjà là. Et puis ça ne part pas partout, ça peut partir seulement mais peut-être pour 10 maisons, de quel quartier comme ça. En tout cas, quand il s'agit d'électricité, ces gens ici sont évolués. Ces gens ici, les Occidentaux, sont vraiment organisés. Si tu veux vivre la vie avant de mourir, moi je dirais qu'il faut vraiment te déplacer de l'Afrique, aller essayer aussi la vie ailleurs. Il faut quitter votre zone de confort. Ce qui nous tient, nous, ce sont les zones de confort. Quand tu as ta maman, tu as ton grand-père, tu as tes oncles qui sont entourés de toi, tu as peur d'aller affronter la vie seule. Il faut à chaque fois, il faut essayer. Il faut être comme les Blancs. Les Blancs ont quitté ici pour aller coloniser l'Afrique. Depuis 1970, ça quelque chose, ils sont toujours partis. Vous allez voir les Asiatiques quitter leur zone de confort, mais aller faire de l'aventure en Afrique, en Europe, partout. Nous, les Africains, on doit avoir de telles cultures, d'aller s'aventurer, aller apprendre. Quand je vais parler de coût de vie, par exemple, le coût de vie d'ici, ce n'est pas... Vous comprenez déjà, le coût de vie ici, le PIB déjà, c'est très haut. Donc, le coût de vie, ça sera très haut. La façon dont on paye ici, ce n'est pas la façon dont on paye chez nous en Afrique. Chez nous, en Afrique, on paye par mois. Ici, on paye par heure. Le barème de salaire en Afrique, ça peut être forfaitaire, ça dépend d'une compagnie à l'autre. Mais ici, il y a la législation qui vous dit le minimum de salaire qu'on peut payer quelqu'un pour qu'il puisse survivre comme tout le monde. Il y en a quand même un minimum de barème qu'on donne aux gens. Ça dépend ici, au Canada, d'une province à une autre. La province où je vis, le minimum salaire par heure, minimum, c'est $15.26. Ça, c'est minimum. Dans des provinces de Québec, je ne sais pas c'était combien, la province de Winnipeg, d'Alberta, chaque province a ses barèmes de minimum, barèmes de paye. Alors, pour moi, les chocs, tout ce que je vous ai dit, je vous ai raconté dans la vidéo ici, ce sont des surprises, les choses qu'on ne s'attendait pas à voir dès qu'on arrive ici. Mais c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a vu. J'ai la nourriture, on a mis du sel, on met de la nourriture, on met du sucre, on met du miel dans la nourriture. L'amour ici, on voit d'abord la partie intime, avoir d'aimer même quelqu'un. Le climat, c'est tellement froid. La monnaie ici, c'est la monnaie, elle est stable. Les études, système scolaire, elle est bien. Les maisons sont vraiment luxueuses. Électricité, toujours ne part pas. Le coût de la vie. Donc, tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez pour la vie, pour les basics de la vie,
ça se trouve ici. Pour moi, ça c'est selon moi. Est-ce vous, mes frères et amis, qui ont suivi ma vidéo jusqu'à la fin, si vous avez des suggestions, qu'est-ce qui vous a choqué le plus à votre arrivée au Canada? On est ensemble et à la prochaine. Bye.